Et salut les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la deuxième vidéo du deuxième DLC de Spider-Man, la guerre des gangs, pardon. Là, dans la dernière vidéo, on avait commencé ce deuxième DLC et on s'était fait un petit peu avoir puisque finalement on était à la toute fin du premier DLC, on avait juste à se rendre à un point donné et on avait la petite cinématique de fin. Donc du coup on avait enchaîné directement avec le deuxième DLC qui nous plonge au niveau histoire à la suite de l'histoire déjà embringuée dans le premier DLC, puisque Hammerhead en gros voilà c'est montré comme un peu le gros patron de toutes les mafias de New York, etc. Il vole tout le monde, voilà, tout simplement. Il attaque les gros bonnets qui tentent de se défendre hein, comme ils le peuvent. Et puis nous on avait fait une petite mission qui a malheureusement oui. coûté la vie Vous êtes sûr à que ça va un ça agent va. De police. J'ai juste besoin de souffler un peu. Laissez-moi faire. Je vais retrouver Hammerhead et découvrir ce qu'il mijote. Vous reposez-vous. Ce serait l'idéal. Mais il faut que j'appelle les familles de mes hommes. Que je leur explique ce qui s'est passé. Et tenez-moi au courant. Faites-moi signe dès qu'il y a du nouveau. Promis. On l'arrêtera à Yuri. Non, on va pas l'arrêter. On va le clouer au mur. Hammerhead a dépassé les bornes cette fois. Je peux pas le laisser continuer comme ça. J'ai entendu des rumeurs comme quoi ces hommes fréquentent les bars sans nom. Ça me semble être un bon point de départ. Ok, donc voilà la petite discussion entre Yuri et Spider-Man. Et donc Spider-Man nous dit que apparemment il aurait des sources comme quoi les hommes de Hammerhead fréquenteraient un bar ou un refuge. Encore un autre monument de New York détruit. Un grand merci à Spider-Man, le prodige empoilé. Le sanatorium d'Harlem était-il en parfait état? Non. Les médecins y ont-ils autrefois perpétré des atrocités à l'encontre de leurs patients? Certainement. Doit-on pour autant laisser six justiciers en pyjama anéantir allègrement un morceau de notre histoire? Je dis non! Il est de notre devoir, non, de notre responsabilité, de préserver ces monuments honteux de notre passé, car ils ont forgé notre Amérique. Comme je l'ai encore dit à mon médecin l'autre jour, je me calmerai pas! Et je vais vous dire pourquoi. Je suis sûr que la police aurait très bien pu mettre un terme au différend familial du sanatorium sans recourir à la force destructrice des armes de la tête de toile. Vous ne croyez pas, mes très chers auditeurs. Ok, bon, toujours la petite émission podcast de Jameson, ok, bon. Je voulais laisser entière cette discussion-là, et puis nous, on continue. Le mot de passe, c'est laisse-moi entrer, abruti. Trop drôle. Ouais, j'en suis assez fier. Le bar sans nom. Le point de chute des plus grands criminels de New York. Et la dernière fois, je suis entré là-dedans et le combat a duré presque tout le week-end. Mais cette fois, j'ai mon petit bot-pote. Il y a forcément quelqu'un là-dedans qui sait ce que prépare Hammerhead. Je devrais espionner quelques conversations pour en savoir plus. Ok, donc petite petite mission, on va dire, avec la petite... Avec le petit bot. Armes, bagarres et pouvoirs interdits. Sérieux? C'est quand même beaucoup demandé à ce genre de clientèle. Mais c'est mes flingues, je veux pas les donner. Écoutez, je suis désolé, mais c'est dans le règlement. Je dois garder vos armes. Ouais, mais moi je veux pas. Je vous comprends bien. Malheureusement, je ne peux pas vous laisser entrer après. Ouais, mais je veux pas. Ok.
Il faut faire quoi? On peut pas monter là. Faut faire quoi là? Ah! Attends, on est bloqué là? Ok, j'ai essayé une petite touche. Bon, forcément, c'était pas ça, évidemment. Il y a forcément quelqu'un là-dedans qui sait ce que prépare Hammerhead. Je devrais espionner quelques conversations pour en savoir plus. Armes, bagarres et pouvoirs interdits? Sérieux? C'est quand même beaucoup demandé à ce genre de clientèle. C'est mes flingues, je peux pas les donner. On va peut-être passer par là. Ah bah d'accord. Ouais, mais moi je veux pas. Je vous comprends bien. Malheureusement, je ne peux pas vous laisser entrer après. Ouais, mais je veux pas. Ok, donc on va passer par ici. Ok, Spider-Bot. Impeccable. Fais jouer ta magie électromagnétique sur cette prise. Désolé, voilà. Monsieur Lamagia chargé de la maintenance. Donc aucun problème. Pas trop de bruit de fond. Je devrais filtrer les phrases qui mentionnent Magia ou Hammerhead. Il faut que j'isole leur fréquence vocale. Ah ça faisait longtemps. Le petit jeu comme ça. Alors attendez, ça va pas durer longtemps. Voilà. Parfait. Écoutons ce que ces braves gens ont à raconter. On a bien fait de laisser tomber la Magia. Hammerhead, c'est l'avenir de cette ville. Tu trouves pas ça un peu limite? Quoi? Ben, tu sais, ce qui se fait là, le projet Olympus, c'est pas naturel. Ah ouais? Et ton tatouage tribal, c'est naturel? C'est pas pareil. Ok, ouais. Je suis pas du genre à juger sans connaître, mais je doute qu'il y ait beaucoup de diplômés dans cette pièce. Ok, alors est-ce qu'il y a d'autres personnes? Pour le moment, on doit certainement juste avancer. Ah! Par contre, ce qui est bête, c'est qu'on n'a pas de carte hein, pour se repérer. Il faut peut-être certainement juste passer par là. D'accord. Non, non, je joue dans une équipe de baseball, en salle. On n'est pas mauvais, tu sais. Sérieux? Sur la tête de ma mère, on gagne chaque fois. Ah, de toute façon, après, on n'a que de dire que j'aime pas. Attendez, on va éviter de se faire repérer quand même. De se laisser tomber par là. Je crois que je suis fail là.
va te cacher. Ah non, d'accord. On peut passer par là, ok. C'est l'heure de jouer les victimes. Un de ces types, c'est forcément ce camarade a prévu de faire. Quel groupe a l'air plus louche que les autres? Mais en fait, c'est pas... C'est pas évident, là, hein. Maintenant, si j'isole leur conversation... Alors, attends... On y est presque. Voilà. Ils sont dingues. Tous les dons de la magia sont planqués au même endroit. Ces abrutis croient que c'est plus sûr comme ça. Le boss va tous les défoncer d'un coup. On devient la magia et fin de la guerre. Les débiles. Si Hammerhead élimine les dons, il contrôlera toute la magia. Il va falloir que je les retrouve avant. Quelqu'un qui doit bien savoir où ils sont. Qu'on va passer par ici. Ah zut! Hail, Spider-Bot! Voilà, il parfait. Faut qu'ils isolent leur fréquence vocale. Hey, l'exécution des dons de la magia, c'est où que ça se passe, tu sais toi? Non, mais le nouveau dit qu'il le sait, lui. Soi-disant qu'Hammerhead lui aurait dit en personne. C'est quoi ce délire, les nouveaux qui savent avant nous? Attends, je vais le secouer, moi. J'espère que le nouveau sait vraiment où se trouvent les dons. Allez, nouveau, je compte sur toi. Alors, on va devoir les suivre, je suppose. Recueillir des infos. Ouais. Je dois isoler la fréquence de leur voix. Comme ça, tu sais où ils se planquent, les dons, toi. Parle pas si fort, c'est... Non, je sais pas. Allez, le nouveau. Je le savais, c'était du vent. Mais je sais qu'il sait, par contre. Vinny et Gino, ils sont à l'arrière, ils veulent rien dire à personne. Oh, ça alors, Vinny et Gino savent tout. C'est pas nouveau. Tu devrais apprendre à la fermer. Vinny et Gino? Bon, je vais aller à l'arrière voir ce qu'ils savent. La porte à côté des flippers doit mener à l'arrière. J'ai plus qu'à l'ouvrir. Ah, elle est... C'est celle-là. On va y aller, on y va, on y va, on y va. Bah elle est où la porte? Ah, d'accord. Pardon, chaud devant. Encore les plombs? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Vinny et Gino. Une carte des sociétés d'Hammerhead. Allons voir ça de plus près. Entre la distillerie et le garage, ça on peut peut-être passer par là pour mieux voir. Littéralement. Voilà. Après ça, je passerai un coup de fil à MJ. Ça lui sera utile pour son article sur les façades criminelles. Ok, donc on a débloqué un nouveau mini-jeu. Donc ça doit être un peu comme les lieux de fisc où on va avoir des vagues d'ennemis à affronter. Pour découvrir où sont les dons de la magia. Ok, aucun souci. Waouh. Waouh. D'accord. Je suis censé te suivre. Hey, t'as entendu parler de ce truc-là, le projet Olympus? Ouais, ça me plaît pas trop. Je sais pas, faut voir. Faut voir, si tu veux mourir. Le projet Olympus? Pourquoi ça revient aussi souvent? Okay. Très très important également de rester dans les environs. Ouais. C'est exactement comme ça que je voyais la vie de super-héros. Eh ben, je vais devoir désinfecter Spider-Bot après ça. Ou le passer à l'autoclave. Non mais, carrément, je vais le brûler.
Donc là, pour le moment, très très bien. Vinny et Gino, je suppose. Ils connaissent le prochain coup d'Hammerhead. Il y a des notes sur la table. Oh, c'est un lieu facile à défendre. C'est clair. De l'extérieur. Qu'est-ce que ça donne de la matière sans discret. Moins s'imaginer ce qu'Hammerhead leur réserve. L'emplacement des donnes doit se trouver dans ces notes. Il faut que j'éloigne les deux génies. Ouais, comme pour un anniversaire, mais moins sympa. Plutôt comme la rentrée scolaire, alors. Ouais, ouais, voilà, exactement. Du coup, la avec une vieille radio, à l'ancienne. Bordel! Ça enferme-moi. Au suivant. Ils réfléchissent pas ou quoi? Ça leur a pas franchement réussi attends. Au sein de la faut croire qu'ils sont aussi stupides. On peut pas faire tout le monde d'un coup. Je pourrais jouer avec la lumière. C'est pour ça qu'on bosse. Non, mais c'est une blague. Allez, c'est le moment. Il y a un boîtier éclectique dans le coin. Quoi? Un boîtier électrique? Ouais, c'est ce que j'ai dit. T'as dit éclectique, comme ma... Lydon se cache au cinéma au Warback. Il faut que j'y arrive avant Hammerhead. Bien joué, Spider-Bot. Allez, va te cacher. Je reviendrai te chercher plus tard. Avec des bouteilles de désinfectant. Aucun souci. Bon bah très très sympa comme phase, moi c'est ça change. Ça change, j'aime bien. C'est Peter. Je sais, t'es enregistré dans mon répertoire, Peter. T'as pas besoin de dire que c'est toi. Ouais, pas faux. Écoute, je sais que tu bosses sur un article autour des opérations de la Magia et j'ai trouvé un truc qui pourrait t'intéresser. Ah ouais? J'ai les adresses de 4 commerces d'Hammerhead. Et je te parie des vrais billets, ils n'ont rien de légal. T'as pas de billets à parier, mais c'est l'intention qui compte. Je me mets dessus tout de suite. Tu veux pas me laisser enquêter sur place? Je te tiendrai au courant. Ça m'aiderait beaucoup. J'ai plein de boulot. À plus tard. Très très bien. Alors, avant ça, on a obtenu un rang maximum. Et on a gagné un petit point de compétence. Ce qui, les amis, va nous permettre, eh bien... de nous mettre à 100% partout. Et voilà, voilà. Spider-Man supérieur. Petit trophée obtenu. Voilà, très très bien. Donc ça, c'est fait. Ça également, on peut... Ouais, non, il manque encore des jetons. Mais on pourrait également en créer. Ça serait pas plus... ça serait pas mal. Pouvoir de tenue. Voyons voir, ravitaillement... Ok. On peut ajouter également des trucs. Je crois que on l'a déjà fait. Des charges foudroyantes. Photo secrète. Ça. Ok, bon. Rien de spécial. Demande de renfort pour l'escorte d'un témoin clé contre Hammerhead. Répondez. Y'a quelqu'un d'assez courageux pour témoigner contre Hammerhead? Je ferais mieux de garder un œil dessus. Il n'y avait pas besoin des renforts. Bien sûr que si. Quoi, on peut pas escorter un témoin sur quelques blocs? Attends, t'as vu ce qui se passe en ce moment? Je fais confiance à personne. Ils partent. Je vais les suivre, au cas où quelqu'un débarquerait sans invitation. Ok, bon, on escorte le témoin. Et bien évidemment, bah, vous vous en doutez, hein, il va se passer... quelque chose. RAS, jusqu'ici. Tu veux nous porter la poisse ou quoi? Arrête. Pourquoi prendre le risque? Parce que la superstition, c'est débile. On verra. Hé, hey, Spider-Man! Atelier police, mercredi prochain. C'est... jusqu'ici, c'est calme. Peut-être même trop calme. Oh, quand je le dis comme ça, ça fait hyper classe! Bon. Rien de passionnant pour le moment. On a de la compagnie! Les hommes d'Hammerhead. Toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Il faut que je protège le témoin. Vous en avez jamais marre de perdre? Moi, bon, moi j'en ai marre. Mais, peut-être que moi.
Le boss peut continuer à arrêter. Carole, c'est moi, Obi. Il faut bien mourir. Aïe, aïe, aïe. Fais mal lui. Aïe aïe aïe. Ah là, ah c'est traîné de d'électricité là, de ça, c'est chiant. Que puis pour bon, pour éviter les coups, c'est les roses brutes, c'est limite impossible. Je sais bien que vous aviez l'intention de ramener chez moi, Mered. Seulement, okay. C'est bon. Comme par hasard, il n'y a rien à proximité. Ok. Pour une fois, c'est bon. Oh là là. Mais... Non mais franchement, c'est... Voilà. Hey, toi. Non, pas plus. Ok. Ça aurait plus mal se terminer. Bon. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil. On a un peu mieux géré sur la deuxième tentative. Un nouveau crime déverrouillé, très très bien. Ok, c'était tout. Bon. Rien de spécial. Spider-Man, comment ça se passe? Bien. Je suis sur la piste des Dons. Et vous, ça va? Fatigué. J'ai fini d'appeler les familles des victimes. C'était... difficile, mais nécessaire. Je m'occupe de tout, Yuri. Vous en faites pas. Ok, voilà Lower Back. C'est parti pour le Magia Sitting. Ok, donc là, on doit sûrement aller à un lieu de rencontre de... des dirigeants de la Magia ou ceux qui en font partie. Ah, lui, oh, il appelle toujours au mauvais moment. C'est Spider-Manry. Et toi? Je voulais juste te remercier pour la première leçon. En fait, je pensais qu'on allait faire des trucs concrets, tu vois, mais maintenant j'ai tous ces trucs dans la tête. C'est mortel. Tu sais ce qui est cool? C'est quand personne te tire dessus. Et du coup, c'est quand la prochaine leçon? Oh, je sais pas, Miles. Il se passe beaucoup de... Écoute, j'ai fait tous mes devoirs en avance, j'ai fait le ménage et j'ai fait tout le reste. Et je te jure que je suis pas sorti me faire un seul panier depuis l'autre fois. Sérieux? Non mais, c'est génial, Miles. Tu fais du super boulot, je te fais signe dès que je suis dispo, ok? Ok, ouais, super. Merci, Peter. J'ai créé un monstre. Un monstre d'enthousiasme. Ok, bon. Un monstre. Mais le monstre, il appelle toujours quand il faut pas. Il est chiant. Voilà. Reste à ta place, gamin. Les yeux et les rangs. On n'a pas besoin d'un deuxième Spider-Man. Allez, petite dernière mission, les amis. Puis, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Et je pense que, de toute façon, il va rester peut-être encore une ou deux vidéos sur ce DLC. Puis, on attaquera le dernier.
Et puis voilà. Les donnes doivent être à l'intérieur. On dirait que tout va bien. Non, tout allait bien. Génial. C'est exactement pour ça que j'évite d'aller au Oh là là, vous êtes sérieux? Vous avez vu ça? En fait, pourquoi ça a développé ces tanks taupes? Ouais, non, il va falloir que je leur trouve un meilleur nom. Alors. Ah, oh, c'est pas vrai, mais. Ah, oh, mais je l'avais, les amis, je l'avais. Alors. Vous savez, en restant chez vous, ça vous coûterait moins cher en pop-corn. Ah, il y a des renforts qui arrivent, on dirait. Allez, toi, tu restes attaché. Ah oui. Ok, pour le moment, on les gère. Il y a le Stormtrooper là, chelou qui saoule un peu. Celui-là, c'est mieux de le regarder en VOD, hein. Aïe aïe aïe. Oh mais sérieux. Ok, on s'en va. Ah, il faut savoir des fois battre en retraite les amis, parce que là sincèrement c'est pas évident. Alors. Ok. Allez, un de moins. On va déjà se débarrasser de cela. Ok. Les plus chiants. Allez, toi tu restes sur dodo. Et plutôt on va t'arracher. Baissez-vous. Encore des types sur le toit.
Ok, ils sont où? J'avais pas l'impression d'en faire trop là. Faut que je neutralise les hommes d'Hammerhead et que je désarme les bombes. Et une de moins. Encore une. Ok, on a le temps. C'est réglementaire, vos uniformes. Maintenant, ils sont sur l'autre toit. Évidemment. C'est quoi ça? Voilà. Alors, ils sont sur l'autre toit, ils sont où? Ok. Des explosifs. Pas de temps à perdre. Ouh, il m'a fait mal, lui. Et 1, et 2, et 3, 0. Ah, je dirais qu'on prend les bandes dans les jours de palais, non? Oh là là, il a imité Deschamps, les amis. Ah, ce que... Donnarumma, franchement, il est mort. Ouais, bah tu l'as, ça me déprimerait. Alors attends, moi je veux bien, mais Ok, le truc qui ne sert à rien, parfait. Wouah. On va y aller mollo, mollo les amis, parce que clairement là on est pratiquement bon. Ça serait dommage de perdre maintenant. Allez, on l'écrase. Ok, il en reste que deux. Oh là, et sérieux? Allez. Va falloir faire dodo. Bon, les dons devraient être en sécurité. Mais je ferais mieux d'aller voir à l'intérieur au cas où. Ok, parfait. On a bon, on a réussi, hein, tout simplement. Voilà. Allez, on va voir un petit peu à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. J'espère que les dons sont sains et saufs. Et prêts à déménager. Mais on dirait, c'est pas si évident que ça, les amis. Hein. Messieurs, il va falloir qu'on parle sérieusement de votre sécurité. Ah bah oui. Avec des tanks qui creusent, évidemment. Ouais, ça, je l'avais pas prévu. Yori, il a filé. Avec les dons. Quoi? Vous plaisantez?
La technologie sable qu'il a volée, c'est encore pire que ce que je pensais. Vous m'aviez dit que vous vous en occupiez. Vous ne devez pas m'en faire. Je sais, et je me suis planté. Je suis désolé. Ok, j'ai assez délégué. Je reprends les choses en main. Je vous appelle quand j'ai un plan. Bravo, Spidey. Oh, bien joué. Salut à tous! C'est moi, les bichons. J'ai vraiment pas le temps pour ça aujourd'hui, Screwball. On a toujours le temps pour du super contenu! Surtout avec le Spider-Mec préféré de New York dans le premier rôle, dans des défis de haute volée où la mort n'est jamais loin! Allez, je sais que tu rêves de participer! Ce serait pas cool de les faire poireauter! Ok, très très bien, bah, on va s'arrêter là, les amis, je pense. Donc, Hammerhead, eh bien, a kidnappé les dirigeants de la Magia. Et puis bah nous on va devoir certainement aller les sauver entre guillemets hein, puisque bon ça reste quand même des malfrats. Et puis on a Screwball qui vient nous embêter en attendant comme d'habitude. On pouvait encore l'éviter. Si on avait nettoyé la ville, retrouvé le sens commun et chassé Spider-Man dans cet ordre ou un autre, alors un chef de gang psychopathe ne serait pas en train d'anéantir. Ah, j'avais peut-être coupé Jameson dans son Lyle, ou dans son Leius plutôt. Ok, bon, bah la sauvegarde les amis, hein. Et puis on continuera la prochaine fois. On aura un petit peu avancé mine de rien, voilà. Petit DLC sans pression, sans prise de tête, donc très très cool. Donc les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça ferait plaisir. N'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer la petite cloche pour être au courant de la sortie des vidéos et des prochains lives. Et moi je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut !